Le projet de développer un système airbag pour les skieurs de compétition vient du constat que ces derniers subissent des traumatismes graves régulièrement. Les zones vitales touchées sont les mêmes que celles protégées par notre technologie airbag déjà utilisée dans le milieu de l'équitation et de la moto, à savoir le thorax, les cervicales et la colonne vertébrale. Le défi principal est de déclencher l'airbag avant l'impact. Après l'analyse de plusieurs chutes, nous avons pu mettre en évidence les éléments qui conduisent systématiquement à l'accident, à savoir la perte d'équilibre pendant une phase de saut ou la perte d'un ski due à une faute de car ou l'enfourchement d'une porte par exemple. Suite à ça, nous avons développé un boîtier électronique qui calcule un millier de fois par seconde la position du skieur afin d'identifier au plus tôt la perte d'équilibre. Pour cela, nous utilisons différents capteurs de haute précision comme des accéléromètres, des gyroscopes et GPS ainsi que différents éléments de technologie disposés sur le skieur. En parallèle, nous avons redessiné un airbag qui s'intègre dans la tenue des skieurs. Nous avons proposé plusieurs prototypes aux athlètes de l'équipe de France pour vérifier que leurs mouvements n'étaient pas gênés lorsqu'ils descendent. Nous avons de plus intégré une protection dorsale rigide qui soit pleinement compatible avec l'airbag. Cette protection a été réalisée avec les meilleurs matériaux disponibles, à savoir du carbone, du kevlar et de la mousse absorbante, afin d'avoir le meilleur compromis entre légèreté, résistance et protection. Une fois l'airbag, la dorsale et le système d'activation opérationnel, nous avons équipé les athlètes de l'équipe de France pendant une saison afin de valider le bon fonctionnement du système. L'objectif aujourd'hui est de proposer cette nouvelle technologie à tous les coureurs intéressés.